Bienvenue, bonjour, est-ce que vous êtes en forme? Amen. Est-ce que vous savez que vous avez la faveur de Dieu? La Bible dit que nous avons reçu la faveur de Dieu pour notre vie. Et c'est pourquoi nous voulons le célébrer et le remercier. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ce matin? J'aimerais des amen plus violents. Amen. Et des cris de joie. Alors on va se lever tous ensemble et on va lui dire oui parce qu'il vit, eh bien nous n'avons rien à craindre. Maintenant tu vas te tourner vers quelqu'un, ton voisin, celui devant, derrière, tu lui dis quelque chose de gentil. Dis-lui quelque chose de gentil ce matin. Dis-lui, je sais pas, oh t'es très beau, t'es très belle pour aller voter aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et tout de suite, ça donne le sourire, hein. C'est bien. Hein. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Tiens ma vie pour ce temps et éternité, je sais qu'il vit. Oh, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Dis-le à ton voisin, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont vraiment assurés parce que Dieu est vivant. Alléluia. Ils sont assurés jusque dans l'éternité. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, viens et vois comme Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se tourne vers lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier. Oh oui, remercie-le ce matin. Car il est bon. Tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, bien, oui, bien et vois combien Dieu est bon, combien Dieu est béni. Lorsque tu te tournes vers lui, parce qu'il est fidèle. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier. La musique continue de jouer tout doucement. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous placer devant le Seigneur. Simplement dire ce matin, oui, je veux te remercier
pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait pour moi. Même si aujourd'hui tu es dans une difficulté, même si tu as une montagne devant toi, commence simplement à lui dire, Seigneur, je te remercie malgré cette montagne, malgré cette difficulté, malgré les épreuves qui sont devant moi, eh bien je veux te remercier parce que tu m'as oint, parce que tu m'as béni. Je veux le remercier. Commence à le remercier maintenant. Car il est bon, oh, il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, ce matin, nous voulons te bénir, te remercier pour ta présence au milieu de nous. Nous savons que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances. Nous savons que tu es fidèle. Nous voulons être simplement là pour attendre à ce que tu veux nous dire. Nous voulons te remettre vraiment cette réunion. Que ce moment soit un moment privilégié pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Esprit Saint qui est au milieu de nous à chaque jour. Quelle grâce merveilleuse nous avons. Alléluia. Tu es un Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut simplement lui dire, quelques voix s'élèvent pour dire Seigneur, tu es fidèle, tu es bon. Et nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait parce que tu vis avec bien cette vérité, c'est que nous n'avons plus rien à craindre parce que tu es là dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Levons nos voix, ceux qui le désirent. Alléluia. Kora Baba Shongod. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable. Éternel incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, vie et redoutable, majestueux, immuable. Oui, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, te puissant. Tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel incomparable. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, oui, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Je suis libéré, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur, entends nos cris. Entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur.
Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur. Couronné, par toi je suis libéré. Souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es libéré, il t'a libéré. Alléluia, quelle grâce merveilleuse. Alléluia, quelle grâce merveilleuse. Oh, Rabacha, dit grand de grâce. J'avais pensé, c'est un que Dieu vraiment a mis sa faveur sur nous et qu'il nous a appelés à son dessein. Il sait qui nous sommes et tu sais en qui tu as cru. Et il est dit dans 2 Timothée 1, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu crois? Est-ce que tu sais à qui tu appartiens? Alléluia. Il est ce Dieu merveilleux, tout puissant, en qui nous pouvons nous compter. Qui suis-je pour que le roi des rois prenne soin de moi? Simplement, imagine-toi un Dieu extraordinaire, au-dessus de tout l'univers, qui te regarde, toi, 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 tel que tu es, tel que tu es. Alléluia. On va chanter qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Il t'a ouvert ses bras, alléluia. Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, m'a été payé, je suis enfant. Grâce insondable, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. D'été payé, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans
choisir. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Célébrer. Alléluia. Oh, gloire à son nom, gloire à son nom. Alléluia. J'avais cette pensée, en fait, ce matin, je me suis réveillé. C'était un cauchemar, plutôt. Et j'avais cette... comme poursuivi. J'étais dans un endroit et tout d'un coup, je voyais des bêtes sauvages qui était à l'extérieur. Et j'étais à l'intérieur terrorisé parce que je les voyais. Puis à un moment donné, je vais à une porte. Il y avait une porte qui n'était pas fermée complètement. Une porte qui était entrouverte. Et là, je vois une bête. C'est comme un lion avec des griffes énormes qui veut rentrer. Moi, j'étais derrière la porte. Je tenais la porte. Je poussais la porte. Et à un moment donné, j'ai poussé un cri. C'est là que je me suis réveillé. Et là, j'ai dit, au nom de Jésus, tu dégages. Il poussait. Et au moment où j'ai dit, au nom de Jésus, tu dégages, j'ai vu les griffes repartir en arrière. J'ai pu claquer la porte. Et c'est ce que je voudrais vous donner aujourd'hui comme vision. Simplement, si vous êtes attaqué, si vous avez des bêtes sauvages autour de vous, que ce soit une maladie, que ce soit des finances, quelles que soient les choses, eh bien simplement, lorsque les attaques ne sont pas justifiées, lorsque le diable veut vous attaquer, eh bien dites simplement, au nom de Jésus, maintenant tu dégages. Et ça marche, hein? Alléluia. Parce que Dieu est tellement fidèle qu'il ne veut pas que nous soyons écrasés, que nous soyons tués. Alors, nous voulons le prier maintenant et le chanter en disant simplement fidèle, fidèle. Parce que toute ma vie, je sais que tu continues à me bénir. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois je crie, parfois je pleure, mais tu es toujours là. Souvent je tombe, souvent je doute, souvent je... Alléluia. Mais tu es toujours là. Tu es grand pour moi.
fidèle pour toi. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui en toutes circonstances. Même si tu as des peurs, même si tu as des doutes, fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Déclarer, proclamer sa majesté. Alléluia. Oh, merci, God. Tu es venu dans ce lieu avec dans le cœur comme une crainte. Une crainte pour ton avenir. Tu te dis, mais que va-t-il advenir de moi? Que va-t-il advenir de moi? Et le Seigneur te dit, mon enfant, ne t'inquiète pas de ce que demain te réserve. Mais simplement regarde à moi et viens à moi tel que tu es. Tel que tu es, je veux te prendre dans mes bras. Et je veux te dire aujourd'hui combien tu es précieuse pour moi. Précieuse pour moi. Je veux te dire que je veux te relever de la fosse où tu es tombé. Seulement ne t'inquiète pas de ce que le lendemain te réserve, parce que si tu t'inquiètes, ce dont tu t'inquiètes t'arrivera. Alors simplement confie-toi en moi et moi seul, te dit le Seigneur ce matin, car je suis le fidèle, je suis le fidèle. Alléluia. Et dis-lui simplement maintenant, comme ce chant que nous allons prendre, me voici devant toi, et je ne peux que m'incliner devant toi, ébloui par ta bonté, ébloui par ta beauté. Alléluia. Me voici ébloui devant ta face, libre par le temps de ta grâce. Me vois ainsi, reconnaissant mon péché. Et par la foi justifié, j'ai trouvé l'amour incomparable et vrai, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté,
pardonne et je pardonne en retour. Me voici, tu désires me Seigneur, c'est toi qui me transformes, c'est toi qui me donnes la vie, oui ta bonté, ton amour vrai, alléluia, commencez à recevoir son amour. Son nom, gloire à son nom. Amen.
Alléluia. Oh, glorifie son nom, glorifions son nom. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Bonjour à vous tous. Bienvenue. C'est une joie de vous retrouver, que vous veniez de près ou de loin. Et on accueille aussi nos amis internautes qui nous font la joie de temps en temps de venir au milieu de nous. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Ah, j'aime ce chant. Qui peut dire qu'il a été transformé par l'amour de Dieu? Je lève mes deux mains. Si vous voulez que le Seigneur change quelqu'un, ne le demandez pas au Seigneur. Priez pour la personne. Qu'il trouve lui-même le Seigneur. Et c'est l'amour de Dieu qu'il va recevoir qui va le transformer. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, c'est l'amour de Dieu qui nous transforme. Alors, je voulais vous laisser un petit verset ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur. La parole de Dieu dit, en effet, alors c'est vrai que pour beaucoup, vous pourriez être effrayés de tout ce qui se passe autour de nous. Et la parole de Dieu dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour, je suis sûre que vous connaissez la suite, pour le sauver, pour que celui-ci soit sauvé. Alors, aujourd'hui, plus encore que les autres jours, prions. Prions pour notre monde, prions pour notre société et remettons tout entre les mains du Seigneur. Amen. Alors, nous nous retrouvons mardi matin à 7h30 avec votre petit café habituel, avec notre petite vidéo Spark Bible autour, au cœur de la parole de Dieu. Nous nous retrouvons aussi mercredi soir par Zoom pour notre réunion de prière, fidèlement. Merci à tous ceux qui s'impliquent dans l'intercession et dans la prière. Et je bénis le Seigneur pour tous les encouragements qu'il nous donne. Amen. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir notre bien cher ami Timothée Patton qui sera avec nous et qui a un très beau thème de message. Dieu peut se servir de tes chiffons. Alors j'ai hâte d'entendre Timothée. Et tu es accompagné aujourd'hui de ta chère épouse que tu nous présenteras tout à l'heure, Yuki. Soyez les bienvenus. Alors pour tous celles et ceux qui ont besoin de la prière à la fin de la réunion, ne vous privez pas, demandez la prière. Nous vous avons installé le petit espace Oasis. Vous pouvez y aller tout à l'heure et quelqu'un de l'équipe pastorale priera pour vous. Vous avez également reçu un petit mail hier de ma part qui vous annonçait notre congrès national UAPM. Alors pour tous celles et ceux qui désirent y participer, vous trouverez toutes les informations. Il y a un petit QR code que vous pouvez scanner pour vous inscrire si vous le désirez. Donc la date, c'est du 26 au 28 mai, c'est toujours à la période de l'Ascension. Et c'est vrai que nous avons hâte de nous y retrouver parce que ça fait 2 années de suite qu'il a été annulé. Donc, ce sera un grand moment et on se réjouit de voir ce que le Seigneur a en perspective pour chacun. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que nous pouvons aussi apporter notre offrande dans ta maison. Merci, Seigneur, pour la joie qui est dans notre cœur de pouvoir te servir, de pouvoir bénir l'Église et surtout de pouvoir contribuer à l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci pour tous celles et ceux qui donnent généreusement. Merci pour les amis internautes aussi, Seigneur, qui nous bénissent. Et nous désirons vraiment que, ici-bas dans ce monde, ton royaume avance, que l'Évangile soit annoncé. Alors merci pour chaque graine qui est semée dans ton royaume. Père, et ce matin, je voudrais te remettre aussi tous celles et ceux qui sont en souffrance dans leur corps. Et j'ai une pensée particulière pour Michel qui est hospitalisé. Seigneur, étends ta main bénissante sur lui et je te prie, Père, que ta gloire soit manifestée dans son corps, que tu puisses le relever au nom de Jésus. Seigneur, et je prie particulièrement aussi pour cette journée d'élection et ma prière, c'est que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions dans notre pays vivre en paix.
Seigneur, c'est toi qui mettras à la tête de notre pays celui ou celle que toi tu auras choisi. Et nous voulons nous tenir dans la prière pour notre pays. Et nous voulons bénir notre pays. Et je veux déjà bénir par avance nos autorités qui seront mises en place, Père, au nom de Jésus. Alors Timothée, à toi la parole. Je te laisse présenter ton épouse. As-tu la pris ? Très bien. Oui, j'ai pris mon épouse, ouais. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait plaisir de revenir à Vie Chrétienne de Saint-Dié-des-Vosges. Vous savez que pendant un an, j'ai mal prononcé le nom de cette commune. Je disais Saint-Dié-les-Vosges. Et j'ai réalisé tout récemment que c'était Saint-Dié-des. C'est important ça. Parce que j'ai remarqué aussi que mon prénom, il manquait un accent tout à l'heure. Et ça me perturbe. Donc je vais pardonner celle ou celui qui ne lit jamais l'épître de Paul à Timothée, parce que c'est un... Non, il n'y a aucun accent en anglais. Je ne suis pas anglais, je suis britannique. Parce que c'est ma mère qui est anglaise et mon père, il est écossais. Et si jamais vous dites à mon papa qu'il est anglais, il ne reviendra plus vous rendre visite. Ça fait plaisir de revenir. Je dis revenir parce que Fabienne m'a rappelé tout à l'heure que c'était au mois de mars l'an dernier, pour ceux qui s'en souviennent. Et c'était la première fois, c'était bien. J'étais célibataire. La deuxième fois, c'est mieux, je suis marié. Je suis marié à Yuki. Yuki et moi, nous arrivons d'un pays lointain. Très lointain. Ça s'appelle l'Alsace. Et nous avons quitté le village de Sossheim ce matin, sous la pluie, le vent et le froid, pour venir jusqu'ici, sur une terre éloignée, à Saint-Dié-des-Vosges, pour participer avec vous à la célébration que nous aimons apporter à Jésus, pas seulement le dimanche matin à 9h45, mais tous les jours. Amen. Il y a un an, quand je suis venu, en fait, je suis venu trois fois, mais une fois ici, et il y a quelques mois, nous étions à Évry, c'est ça, en région parisienne, pour le congrès des pasteurs de votre mouvement. C'était trois jours bénis. On était logés dans un très bel hôtel, avec un bon petit déjeuner le matin. On a même mangé chinois, ce qui a fait plaisir à mon épouse. Ils ont tout fait pour qu'on revienne. Ils sont bien. Vraiment, vous avez un couple pastoral magnifique. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa passion pour la musique aussi. J'aimerais pouvoir chanter comme lui. Peut-être que tout à l'heure, je vais essayer de chanter un vieux. L'autre jour, j'ai retrouvé un vieux chœur. Vous vous souvenez, on avait chœurs et cantiques. En tout cas, moi, élevé dans le milieu de Pentecôte, en Auvergne. Vous vous rendez compte, en Auvergne. Ça, c'est encore plus loin que l'Alsace. Et on chantait un petit chœur que j'ai retrouvé l'autre jour. J'aime bien les petits chœurs, c'est comme du vin. Vous savez, le vin, quand il est vieux, il est bon. Parfois, ça fait du bien de boire un bon vieux vin et de chanter de bons cantiques parce que les paroles nous parlent et nous nourrissent. Si les chants ne vous nourrissent pas, en général, vous les oubliez très vite. Et ça fait du bien de voir des nouveaux compositeurs chanter des chants qui nous nourrissent. Comme une prédication qui ne nous nourrit pas, en fait, on a perdu notre temps. L'an dernier, quand je suis venu, je vous ai parlé du livre « C'est toujours possible ». J'allais dire « C'est toujours possible de l'acheter ». Il est à la sortie, là, sur la table. C'est toujours possible. C'est c'est cinq prédications que j'ai données un petit peu partout dans mes voyages dans le monde, sur les cinq continents, avec mes deux valises pendant des années. Quand j'habitais au Cambodge, où j'ai passé 19 ans de ma vie, de temps en temps, je prenais l'avion, ma valise, et j'encourageais d'autres à s'engager dans le service de Dieu. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais vous encourager à sortir de votre zone de confort et de vous engager aussi avec vos dons, vos talents et vos chiffons. Et vos chiffons à faire une différence quelque part dans le monde où des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants ne connaissent pas Jésus. Je n'ai jamais vu un sourire comme ça. Ça, à mon avis, c'est un sourire qui vient du Cuba. Parce qu'en France... En France, on sait qu'on est arrivé en France. Je savais quand j'atterrissais à Charles de Gaulle à Paris, je le savais. Parce que quand je voyais qu'il n'y avait plus de sourire, je savais.
Et si je n'étais pas sûr, je disais, est-ce qu'il y a une grève ? On me disait, oui, il y a une grève. Donc, je savais que je venais d'atterrir en France. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Vous avez un batteur qui sourit tout le temps. C'est beau, ça, hein ? Magnifique. Magnifique. Super. Alors, le livre, c'est toujours possible, est disponible à la sortie. Ça va vous booster à ne pas rester sur le banc de touche. Il n'y a rien de pire, je crois, pour un sportif qui fait partie de l'équipe, d'être sur le banc de touche et de se dire, quand est-ce que je vais rentrer sur le terrain ? Ce livre est là pour nous dire, même si tu as raté le coche, je ne sais pas pour vous, mais depuis que je suis converti, j'ai souvent raté le coche. Pour ceux qui ont raté le coche, qui ont raté la marche, Jésus leur dit, hey, tu fais partie de l'équipe, j'ai besoin de toi sur le terrain. Ce livre est là pour vous aider. Ils ont mis 10 euros, mais vous mettez ce que vous voulez dans le bol à la sortie. Si vous n'avez que 1 euro au fond de la poche, prenez le livre. Ce qui compte, c'est de le lire et d'être boosté à faire une différence pour Jésus dans le monde. Et puis, si j'oublie mon frère, il ne va pas être content. Mon frère Marc et son épouse Rachel, ils ont 4 enfants. Ils ont même une petite fille depuis peu. Et ils sortent des CD de louanges pour les enfants et pour les jeunes. Et c'est de la bombe. Je ne sais pas si on peut dire bombe encore aujourd'hui, avec les plans Vigipirate qui paraît existent toujours. C'est de la bombe. Et là, vous avez des centaines d'enfants dans l'église de Wascal, c'est tout au nord de la France, des dizaines d'églises. Et là, les églises travaillent ensemble. C'est bien parce que les enfants, ils ont compris ce que nous, on a du mal à comprendre. Les enfants, eux, comme, c'est un peu comme le racisme. Dans les cours d'école, le racisme n'est pas encore très bien développé. Et plus tard, en grandissant, ils disent, tiens, ils ne sont pas comme nous, eux. Ils ne mangent pas comme nous, ils parlent une autre langue et c'est là que le racisme s'installe. Il y a un racisme aussi dans notre milieu évangélique, mais les enfants n'ont pas encore appris qu'il y en a d'autres qui ne sont pas comme nous. Eh bien, avec ce CD, ça va vous booster à louer Dieu avec des centaines d'enfants. C'est pour des enfants, mais c'est aussi pour les grands qui veulent louer Jésus. Quand vous achetez un CD, écoutez bien, virgule, le deuxième, il est gratuit. Si ça, ce n'est pas la grâce, si ça, ce n'est pas la grâce. Alors, les CD sont à la sortie. Ils sont à 15 euros. C'est un double CD. Et le deuxième, c'est encore un double. 2 x 2, ça fait... C'est bien, il y en a 6 qui sont bons en maths. 2 x 2, ça fait 4. Ça fait 4 CD. Et donc, ça, c'est formidable. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Pour ceux qui ont encore une Bible... Voici le petit cœur que j'ai sous les yeux. Je vais essayer de le chanter. Je ne l'ai pas chanté vraiment dans un auditoire depuis que j'étais tout petit là-bas à Clermont-Ferrand. On le chantait souvent dans notre église. Voici ce que ça donne. Oh, il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé, maintenant je sais. Regardez pas l'écran, il m'a touché. Changé ma vie. On peut le chanter ensemble ? Oh, il m'a touché, oh, il m'a touché, Jésus m'a touché, oh, quelle joie remplit mon cœur, quelque chose s'est passé, maintenant je sais, il m'a touché et changé ma vie. Tu peux m'aider peut-être un petit peu ? Parce qu'on va sortir un CD tous les deux aux éditions Vie Chrétienne. Accablé par un lourd fardeau, dans la honte et le péché, la main de Jésus me toucha, je ne serai plus jamais le même. Il m'a touché, oh, il m'a touché.
Oh, le joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Maintenant je sais, il m'a touché et changé ma vie. Amen. Seigneur, merci de nous avoir touchés. Merci parce qu'un jour, on a quitté les ténèbres et on est rentré dans la lumière. Merci parce qu'un jour, on a quitté la fosse et on a découvert une terre ferme. Ta parole, tes promesses. Seigneur, nous te prions que tu nous aides à dire à ceux qui ne connaissent pas ce que nous connaissons que tu peux aussi les toucher. Tu peux aussi remplir leur cœur et ils pourront chanter un jour aussi « Quelque chose s'est passé ». Et maintenant, je sais, parce que quelqu'un de l'église Vie Chrétienne à Saint-Dié-des-Vosges un jour est venu frapper à ma porte, un jour m'a parlé de Jésus à la pause café au travail, parce qu'il est venu dans mon quartier difficile, parce qu'il a essayé d'apprendre quelques mots de ma langue, le turc ou le swahili, pour me parler de Jésus. Et maintenant, je peux dire, il m'a touché. Le drame, c'est que certains ici à Saint-Dié-des-Vosges se disent, j'ai attendu toute ma vie. Le jour où vous allez leur parler de Jésus, ils vont dire, j'ai attendu toute ma vie que vous me parliez de lui. Et j'ai 87 ans, ou j'ai 92 ans, je ne vous entends pas bien, mais je peux vous dire, si seulement vous étiez venu plus tôt, pour me parler justement de l'amour de Jésus. Je vous invite à quitter vos plages, vos zones de confort, ce qui vous rassure, pour aller justement vers celles et ceux qui attendent encore aujourd'hui, 2022 ans plus tard, le message de la venue de Jésus. Merci Seigneur de bénir maintenant ta parole et que toutes nos pensées soient captives, que rien d'autre ne vienne nous distraire dans le nom de Jésus. Et comme l'a si bien dit Serge tout à l'heure avec ce cauchemar qui nous montre que tous les lions, toutes les griffes qui voudraient nous encercler doivent reculer dans le nom de Jésus. Et nous voulons, par la foi et par l'autorité du Saint-Esprit que tu nous as donné, fermer la porte. Fermer la porte à toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces angoisses, tout ce qui voudrait pénétrer, envahir nos vies. Et dire dans le nom de Jésus, cette porte est fermée. Et ce lion qui voudrait rugir et me faire mal s'en va dans le nom de Jésus. Retire tes griffes dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a un autre lion, c'est le lion de Juda. Et ce lion-là, il a terrassé le lion, l'adversaire, à la croix, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand on dit Jérémie, le prophète Jérémie. Je ne sais pas si on faisait une petite enquête à 9h45 et on disait, écoute, tu ne peux pas rentrer à l'église ce matin. Si tu ne peux pas me dire en deux minutes la vie, le ministère de Jérémie. Alors certains disent, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Jérémie. Il paraît qu'il y a aussi un autre livre qui ne me donne pas envie, ça s'appelle Lamentation de Jérémie. Quand vous êtes en dépression, lisez Lamentation de Jérémie. Jérémie, j'aime bien parce que c'est un prophète de Dieu qui n'a pas froid aux yeux. Il y a des prophètes aujourd'hui qui disent ce que les gens veulent entendre. Et puis, il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui n'avaient pas peur de dire au peuple ce que Dieu voulait qu'ils entendent, que ça leur plaise ou pas. Et parce qu'ils parlaient de la part de Dieu, eh bien, il ne s'est pas toujours fait des amis. C'est comme ça qu'on reconnaît, je crois, les prophètes. Leur compte Facebook, il y a trois amis, je crois. C'est leur maman, leur belle-sœur et puis peut-être leur épouse. Il n'y a pas beaucoup d'amis quand on dit des paroles parfois qui ne font pas toujours plaisir. Et parce que Jérémie dérangeait, la Bible nous dit qu'on a jeté dans une citerne le prophète de Dieu. Regardez avec moi dans Jérémie chapitre 38. Jérémie 38, et on va lire au verset 6.
Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'y enfonça. Je veux zoomer sur ces quelques mots. Mais il y avait de la boue dans cette citerne. Et Jérémie s'y enfonça. J'aimerais zoomer pendant quelques minutes sur cette citerne où on a jeté l'homme de Dieu. La citerne. Il s'enfonce dans une citerne pleine de boue. Il s'enfonce. Moi, j'aimerais être n'importe où dans le monde, sauf dans une citerne, tout seul, à m'enfoncer dans de la boue. Il n'y a pas d'eau, il y a de la boue, et il s'enfonce dans une citerne. La citerne. Vous savez, quand j'étais petit, là-bas, à Clermont-Ferrand, on n'avait pas de télé. D'ailleurs, j'ai jamais eu de télé. 49 ans sans télévision, j'ai gagné beaucoup de temps. Et on n'avait pas de télé, mais j'avais beaucoup de livres. J'ai lu toute la collection des Clubs des Cinq. Vous vous souvenez, les Clubs des Cinq, puis après, il y a le Clan des Sept. Ça, je n'aimais pas trop parce qu'il y avait trop de monde dans l'histoire. Le Club des Cinq, il y en a quatre et un chien. Et puis, de temps en temps, entre deux Clubs des Cinq, j'aimais m'allonger par terre dans ma chambre et regarder la carte du monde, la map monde. J'avais même un globe qu'on m'a dû m'offrir pour mon anniversaire et je le faisais tourner et je cherchais sur la carte du monde. Je voyageais sans payer et je comptais le nombre de pays dans le continent africain. J'essayais de retenir les capitales de tous les pays. Alors après une quinzaine, j'avais mal à la tête, je ne savais plus. Et j'ai appris que Berne, c'était la capitale de la Suisse. Oh, je pensais que c'était Genève. Et puis plein de choses comme ça. Et que New York, ce n'était pas la capitale des États-Unis. Et puis les fleuves. La longueur des fleuves. Le plus long, paraît-il, c'est l'Amazon. Il y a aussi le Nil. Et je voyageais là-bas dans ma chambre à Clermont-Ferrand, au 42 rue Montcalm, au deuxième étage. Aujourd'hui, ou plutôt depuis quelques années, j'essaye plus de retenir les capitales. Parfois, elles changent d'ailleurs, les capitales. Même les pays. Le Soudan est divisé en deux depuis. Deux pays. Aujourd'hui, je cherche sur la carte du monde des citernes. Des puits, des fosses, des crevasses, des lieux de misère où des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes s'enfoncent, comme Jérémie, dans la boue, jusqu'au cou. C'est ce que je recherche aujourd'hui sur la carte du monde. Pas de savoir si le Soudan est plus grand que l'Algérie, ça ne m'intéresse plus comme avant. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir où sont ces lieux de souffrance à travers le globe, et de chercher les Jérémie qui s'enfoncent, alors que je vous parle, dans la boue. Parfois, je repense à ces endroits de misère, à ces citernes sur la carte du monde, où j'ai mis les pieds. Parfois, j'y suis resté très longtemps, comme dans les bidonvilles à Phnom Penh au Cambodge, ou parfois j'ai visité avec des amis missionnaires des endroits de misère, des citernes, où s'enfoncent parfois des tribus entières, des peuples entiers, des quartiers entiers dans la boue, comme Jérémie le prophète. Je me souviens de cette visite, ça a duré 2 heures, mais on s'en souvient comme si c'était hier. C'était il y a des années à Manille, la capitale des Philippines, merci. Et j'étais avec un groupe de jeunes, on était dans une prison pour mineurs. J'ai rarement été dans une citerne aussi terrifiante que celle-là. J'avais qu'une envie, c'est que la réunion d'évangélisation pour les jeunes de cette prison de Manille aux Philippines s'achève le plus vite possible et que je sorte de cette citerne où eux s'enfoncent tous les jours un peu plus. Je pense à Sao Paulo au Brésil, ces favelas où on sent dans l'atmosphère, vous faites ça, vous sentez la violence. Vous dites, ça va éclater d'un moment à l'autre. À New York, ces quartiers aussi gangrénés par la drogue, par la violence. Je me souviens, j'étais en Russie, je suis allé qu'une fois, et avec une équipe, on est allé à des heures de route de Moscou. Ça, vous saviez que c'était la capitale. On en parle depuis pas mal de temps. Et on était dans un coin perdu, dans un orphelinat qui n'avait ni portail. Les enfants, les orphelins étaient livrés à eux-mêmes. J'ai rarement été dans un endroit aussi désespéré. Déjà, les enfants ont perdu leurs parents. Et là, on ne sait même pas qui était responsable de ces enfants. Je me rappelle, j'ai prêché.
Ça a été traduit en russe, évidemment. Celle qui traduisait ne connaissait pas Jésus, donc elle a entendu l'évangile en même temps que l'auditoire. J'étais dans une citerne. Je me souviens, j'ai été poursuivi par deux gars qui avaient peut-être bu trop de vodka. Et j'ai dit, mais j'ai qu'une envie, c'est de sortir de là. Moi, je suis sorti de là, mais il y en a qui s'enfoncent tous les jours dans la boue et qui ne sortent pas de là. Je pense à ces quartiers difficiles en France, à Strasbourg. À Strasbourg, c'est connu pour le Parlement européen, mais c'est connu aussi pour le nombre de voitures qu'on brûle le 31 décembre tous les ans. Ça, c'est une citerne, le Neuhof, quartier chaud à Strasbourg, pas très loin d'ici. Ça, c'est une citerne. Peut-être qu'à Saint-Dié-des-Vosges, il y a des citernes, des HLM, des endroits difficiles, même des endroits qui paraissent beaux. Vous savez que parfois, un EHPAD, c'est beau un EHPAD. Je peux vous dire qu'il n'y a pas plus beau qu'un EHPAD en France. C'est beau de l'extérieur. Il y a des ascenseurs qui marchent. Il y a des rampes pour les handicapés. Il y a des gens qui ont été formés pour les personnes âgées. Je me souviens, c'était avant le Covid, mes parents qui habitent à Tourcoing, c'est pas en Russie ça, pour ceux qui ne suivent plus, à Tourcoing, là-bas dans le nord, et mes parents avaient une voisine, Renée, très âgée, et puis un jour j'ai appris que Renée n'était plus la voisine de mes parents. Et mon père m'a dit, en fait, Renée est dans un EHPAD à quelques kilomètres de Tourcoing. Et ce dimanche, on va lui rendre visite. J'ai dit, je peux venir avec vous, parce que je vois un petit peu qui est cette voisine. Et on est arrivé, c'était un dimanche après-midi, j'ai jamais oublié, dans un EHPAD français. Des EHPAD au Soudan, il n'y en a pas. Et j'arrive ce dimanche après-midi, on prend l'ascenseur, alors qu'on aurait pu prendre les escaliers, et on arrive dans cet EHPAD magnifique. Et je vois ces personnes âgées, certains vraiment grabataires. Il y avait une dame sur une table toute seule, elle regardait la télé, je crois que c'était la seule qui voyait la télé, puis elle riait toutes les, comme un disque rayé, elle riait toutes les minutes, elle avait perdu, je pense, la tête. Et tout le monde était éparpillé, c'était avant le Covid. Alors imaginez-vous maintenant, ils étaient déjà tous sur une table éparpillés dans cette salle à manger de cet EHPAD. Et on a trouvé notre Renée, on a passé un peu de temps avec elle. Puis j'en ai profité à saluer ses papis et ses mamies. Et je me suis dit, où sont les enfants de ses papis et de ses mamies? Après, je suis allé un peu plus loin, j'ai dit, où sont les petits-enfants? Les petits-enfants sont sûrement sur leur écran, alors que papy et mamie les attendent tous les dimanches après-midi. J'ai dit, voilà une citerne dorée où s'enfoncent des hommes, des femmes, un petit peu plus dans la boue du désespoir, sachant que bientôt, ils vont partir dans une éternité, peut-être une éternité sans Jésus. Ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des citernes à Saint-Dié-des-Vosges? Quand vous regardez la carte de Saint-Dié-des-Vosges, vous avez les rues, les places, les églises, les monuments, la mairie, les écoles, le café. Est-ce qu'il y a encore un café du coin? Ça disparaît aussi. Mais vous regardez, cherchez les citernes, priez avec une carte. Et dites, Seigneur, où sont les citernes où s'enfoncent les Jérémies de Saint-Dié-des-Vosges dans la boue? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté devant une citerne? Parce que si on s'arrête, on va peut-être regarder au-dessus de la citerne et voir. Et ça, on ne veut pas, parce que ça nous dérange. Parce qu'on a déjà un travail, on est à l'usine du lundi au samedi, et en plus, le dimanche matin, le pasteur nous attend à l'église. Donc, on a un programme chargé qu'on n'a pas le temps de regarder au-dessus de la citerne. Parce que si on regarde, on risque de voir quelqu'un, une famille, des migrants, des gens qu'on n'aime pas, qui s'enfoncent dans la boue de la citerne. Est-ce que vous les voyez dans la citerne? Ces personnes âgées, justement, de la maison de retraite de Saint-Dié-des-Vosges, qui s'en vont bientôt dans une éternité sans Jésus. Est-ce que vous les voyez, ces détenus de nos prisons en France? Ah ouais, mais c'est de leur faute! Ils payent pour leurs crimes! Ouais, heureusement que Jésus n'a jamais parlé comme ça. Priez pour les aumôniers qui descendent dans les citernes pour aller apporter du réconfort à ces détenus. Parce que je peux vous dire que ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont ici, on est tous pécheurs. Tous, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs, condamnés. Et Jésus, un jour, est venu, ou quelqu'un est venu vous sortir de votre citerne. Vous vous souvenez le jour où cette monitrice d'école du dimanche est venue
Vous parlez de Jésus dans un camp en été. Vous étiez venu pour voir les filles. Jésus vous attendait à ce camp. Vous vous souvenez? Ce voisin qui vous a dit, « Mais tu sais que Jésus peut te sortir de cette misère-là. » Et tout d'un coup, l'étincelle, le spark. C'était avant l'étude biblique Spark Bible, c'était l'étincelle. Ah, il y a peut-être de l'espoir. Quelqu'un un jour est venu dans votre citerne. Chacun ici, un jour, vous étiez dans une citerne. Tous. Et quelqu'un est venu vous parler de Jésus. Pas de la religion, même pas de l'église évangélique, de Jésus. Et nous ne sommes pas les seuls, il y a une église à côté. Il y a peut-être un temple réformé, pas loin. Il y a d'autres chrétiens. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas dans une église comme la vôtre et qui auraient le même témoignage aujourd'hui et qui vous diraient « J'étais dans une citerne. Je n'y suis plus aujourd'hui. » Amen. Il y en a quatre qui ont dit « Amen ». Alors, je vais refaire. On va couper tout ça au montage. Vous étiez dans une citerne et Jésus vous a sorti de là. Amen. Amen. 29. Super. Non, il y a encore trois résistants. Il y a des résistants. Il y a des insoumis aussi parmi nous. Regardez le verset 7. Ça, c'est pas mal. Il y en a un qui a fait quelque chose. Le verset 7, toujours au chapitre 38, pour ceux qui nous suivent là en direct, je ne sais pas si c'est en direct, ou ceux qui nous verront dans 25 ans, parce que ça va rester sur YouTube. Alors pour ceux qui sont en 2048, là je vous invite à garder le verset 7. L'Éthiopien Ebed-Melek, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Et Ben-Mélek sortit du palais et lui dit « Monseigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place car il n'y a plus de pain dans la ville. Oh, » qu'est-ce que j'aime ce Ebed-Melek. Alors si à 9h45 ce matin je vous avais posé la question « C'est qui Jérémie ?» je pense que peut-être vous auriez trouvé quelque chose à dire de lui. Mais alors, vous ne pouvez pas rentrer au culte tant que vous ne me dites pas qui est Ebed-Melek. Mon épouse, sur sa carte d'identité, c'est Yuki. Moi, j'ai dit enlève le petit trait au milieu et ça fait Yuki, c'est mieux pour moi en tout cas. Ebed-Melek. C'était qui ce Ebed-Melek ? En voilà un déjà qui a appris qu'il y avait Jérémie dans la citerne. Un qui a décidé de faire quelque chose. Est-ce que vous avez... Je vous invite à adopter une citerne. Frères et sœurs de l'église de Saint-Dié des Vosges, je vous invite à adopter une citerne. Depuis quelques semaines, on était en Suisse avec mon épouse, dans un coin perdu. Et puis, on a découvert un livre qui vient juste de sortir. Alors, on a acheté même plusieurs que vous pouvez trouver sur la table. Ça s'appelle « Tour du monde en prière ». 80 jours. Alors, nous, on fait ça, ça va nous prendre 80 semaines parce que c'est le mardi matin, notre jour off, notre jour de pause, qu'on ouvre et qu'on découvre en fait des peuples de la terre qu'on ne connaissait pas. Est-ce que vous connaissiez les Druzes ? Les Druzes au Moyen-Orient. Alors, on découvre, ce ne sont pas toujours des pays, ce sont des peuples. Et quand la Bible parle de peuples, ce sont des peuples nombreux, il y en a plusieurs dans un pays. Il y a 16 000 peuples dans le monde aujourd'hui. La moitié d'entre eux n'ont jamais entendu l'évangile. Vous vous rendez compte ? 7 000 peuples non atteints et les Druzes, je crois, en font partie. Alors, tous les mardis, on descend dans un puits. Tous les mardis, on descend dans une citerne pour aller prier parce que moi, je n'en ai jamais rencontré des Druzes. Il y a un peuple ici avec un nom imprononçable, Minangkabau. Je ne sais pas d'où c'est. C'est à Sumatra, en Indonésie. Alors, on va un jour prier pour le peuple Minangkabau. Je prononce bien, hein ? Pas mal, hein ? Si jamais il y a un Indonésien dans la salle. Et on prie pour des peuples qui s'enfoncent dans la boue. Voilà 80 peuples dans ma main qui s'enfoncent aujourd'hui dans une citerne. 2000 ans qu'ils attendent. Certains sont morts dans la citerne sans avoir entendu une fois le message de l'Évangile. Et on prie. Et peut-être qu'en priant, le Seigneur va nous dire, hey, pourquoi pas faire tes valises ?
pourquoi pas faire vos valises, Yuki et Timothée, et partir justement auprès d'un de ces peuples non atteints. Parce que quand on commence à prier pour ceux qui sont dans la citerne, c'est très dangereux. Parce qu'un jour, on pourrait s'y retrouver justement dans la citerne. Pas pour s'enfoncer, mais pour aider ceux qui s'enfoncent. Et Ebed-Melech, voilà un héros qui a fait ce que personne d'autre n'avait osé faire. Ebed-Melech, quand il a appris que le prophète de Dieu venait d'être jeté, il n'a rien fait de mal cet homme, il dérange, c'est tout. Et on l'a jeté dans une citerne et Ebed-Melech, c'était qui lui ? Un obscur Éthiopien qui travaillait dans le palais du roi. Et Ebed-Melech a dit, c'est pas normal ça. C'est pas normal, on a un prophète et vous l'avez jeté dans une citerne. Vous savez, Ebed-Melech, quand j'ai lu cette histoire, quand j'ai relu cette histoire, je me suis dit, il aurait pu dire, moi à sa place, c'est peut-être ce que j'aurais dit, il aurait pu dire, quand il a appris qu'on a jeté le prophète dans la citerne, il aurait pu dire, ça ne me regarde pas. Hein. Si le roi, il a décidé de jeter le prophète dans la citerne, c'est le roi quand même. Il sait ce qu'il fait. Il a du bon jugement. Il a jeté Jérémie dans la citerne. C'est que Jérémie a dû faire une bêtise. Il aurait pu dire, ok, il n'a pas fait de bêtise, mais si jamais le roi s'est levé du mauvais pied, on dit le pied gauche en général, pourquoi le pied gauche ? Ça vient d'où ça déjà ? Et si jamais le roi s'est levé du pied gauche ou s'est mal levé, et que je viens lui dire, « Oh, majesté, je viens d'apprendre que le prophète de Dieu, Jérémie, a été jeté dans une citerne. Si jamais le roi s'est levé du pied gauche et qu'il n'apprécie pas ma remarque et qu'il me jette, moi aussi, au fond de la citerne. » Il y en a encore qui se disent, « Pourquoi le pied gauche ? » Je le vois dans les yeux, là. Oubliez le pied gauche. Pensez à Jérémie dans la citerne. Regardez. Ebed-Melech, il aurait pu dire, moi aussi, je risque de finir avec Jérémie dans la citerne. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'y vont pas en mission. Ebed-Melech, avec un prénom et un nom imprononçable. Moi, je l'appelle Ebed, c'est plus court. Ebed, je pense qu'on n'aurait jamais parié que ce, je ne sais pas, est-ce que c'est le jardinier du palais ? Je ne sais pas, il travaille là. Il arrose peut-être les plantes, il ne dérange personne. Et puis un jour, peut-être en arrosant les plantes ou en cirant le parquet, tout d'un coup, il apprend que le prophète de Dieu, Jérémie lui-même, a été jeté dans une citerne. Il aurait pu dire, ça n'a rien à voir avec moi, je n'interviendrai jamais. Je suis qu'un obscur Éthiopien que personne ne connaît dans le palais. Eh bien, Ebed-Melech a décidé d'aller voir le roi. Moi, je peux vous dire, ça, c'est un héros. Je ne sais pas si vous avez l'école du dimanche ici. Vous avez l'école du dimanche, vous avez des camps de jeunes. Moi, je serais responsable, entre nous, je serais responsable d'une église. Je dirais aux moniteurs et aux monitrices, aux moniteurs, dans le bon ordre, je leur dirais mes sœurs et mes frères, vous savez quoi ? Cette année, exceptionnellement, quand vous allez enseigner les enfants à l'école du dimanche, oubliez pour un an, jusqu'au mois de juin l'année prochaine, c'est tout. Oubliez tous ces grands personnages de la Bible, David, Abraham, Moïse, Gédéon, Pierre, Jacques et Jean. Vous les oubliez pendant un an. Et vous allez raconter aux enfants les histoires de ces héros inconnus de la Bible, comme Ebed-Melech, comme Shama. Shama, il n'y a que deux versets. Et à lui tout seul, il a battu l'armée des Philistins sur un champ de lentilles. Deux versets. On peut en faire un scénario de film tiré de ces deux versets de Shama. Alors, Ebed-Melech, pour moi, c'est un héros qui mérite d'être connu dans les écoles du dimanche et dans nos églises. Parce que Ebed-Melech, il a eu le courage d'aller voir le roi. Dieu cherche aujourd'hui des Ebed-Melech qui vont faire ce que les autres n'osent pas faire. Il y a peut-être un projet qui est sur ton cœur. Ce matin, on lisait psaume 20. On priait, on lisait la Bible ce matin et c'est dans psaume 20. Tous les dimanches, c'est un psaume. Le reste de la semaine, on lit ensemble la Bible. Tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on ait envie ou pas, j'insiste, ou pas, on lit la parole de Dieu tous les matins. Et aujourd'hui, on lisait psaume 20. On dit 20 ici aussi dans les Vosges ? 20. Et il parle de Dieu bénit tes projets. Déjà, il faut en avoir des projets.
pour demander à ce que Dieu bénisse nos projets, est-ce que nous avons... Je vous pose la question là. On est 50 ce matin. Je pose 50 fois la même question. C'est quoi tes projets? Et Ben-Melech avait un projet, d'aller voir le roi et de lui dire, c'est pas normal qu'un prophète de Dieu soit enfoncé, s'enfonce dans une citerne. C'était ça son projet. Si je donnais 50 feuilles, et ceux qui nous écoutent, pareil, on ne peut pas vous échapper, on ferme la porte, vous restez dans votre chambre, et on vous donne aussi une feuille. Et tous, nous notons sur une feuille le projet de Dieu qu'il a placé sur notre cœur. C'est quoi ton projet? Pour beaucoup de chrétiens, c'est une feuille blanche. À l'âge de 40 ans, c'est une feuille blanche. À l'âge de 70 ans, c'est une feuille blanche. Le jour de leur mort, c'est encore une feuille blanche. Ils vont au ciel et ils ont laissé derrière eux une feuille blanche. Et Ben-Melech n'avait pas de feuille blanche. À la fin de sa vie, il pouvait dire, « Oui, je n'ai pas fait grand-chose, mais je peux vous dire que ce jour-là, je suis fier de moi. J'ai sorti la voix de Dieu d'une citerne. Celui, le haut-parleur de Dieu, je l'ai sorti de la boue. J'ai sauvé sa vie. » Qui aura le courage, justement, de monter un projet? D'aller chanter dans les quartiers sensibles de Saint-Dié-des-Vosges ou de Strasbourg ou d'ailleurs pour apporter l'évangile? Qui va aller justement dans ces maisons de retraite pour chanter à Pâques ou à Noël? Vous savez qu'il suffit de demander, si on dit non, on dit non. On dit « Ah oui, la France est laïque, jamais nous ne pourrons chanter l'évangile dans les maisons de retraite. » Tu t'es condamné, tu as fermé ta porte, c'est bien. Quand j'étais jeune pasteur, il y a plus de 25 ans, là-bas à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, et oui, ça existe, l'Aisne, c'est le 02, on voulait être premier, on est deuxième. Et on était à Saint-Quentin, et j'ai dit, pourquoi on n'irait pas chanter dans les maisons de retraite? Alors on a monté un petit groupe, on chantait tous plus ou moins faux. Mais on était passionnés, et on est rentrés d'une maison de retraite à l'autre, et on pouvait dire à la deuxième maison de retraite, vous savez que la directrice de la première maison de retraite nous a acceptés avec beaucoup de joie, nous avons chanté des chants sacrés. Alors si vous dites des chants d'évangélisation, déjà vous tirez une balle dans le pied. Mais si vous dites des chants sacrés, ça passe encore bien, les vieux sont encore un peu, ils se souviennent des chants sacrés du temps où ils étaient dans une église catholique ou protestante. Et on est allé, on a chanté l'évangile, de maison de retraite en maison de retraite. C'était notre projet. C'est quoi ton projet? Si c'est venir dimanche matin, 9h45 à l'église et en Zoom en semaine, si c'est que ça, c'est bien. Mais ce n'est pas assez. Il y a un projet pour toi. Sur la route avec Yuki, on parlait d'un ami avec qui on a passé toute la journée hier, qui a une passion, un projet. Et on s'est dit, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il aime faire ce qu'il fait? Parce que dans la conversation hier, il y a eu une petite fissure. Qui dit, est-ce qu'il aime? Vous savez, le fardeau de Dieu, il est léger. Notez bien ça, léger. C'est un fardeau, mais il est léger. Et ce que Dieu va vous demander de faire, ça ne va pas vous écraser, ça va vous donner des ailes, un fardeau qui vous donne des ailes. Est-ce que la phrase, elle a du sens en français? Je ne sais pas si en espagnol, ça a du sens. De dire un fardeau qui vous donne des ailes. Ça n'a pas de sens. Un fardeau qui me donne des ailes. Eh oui, ça c'est la logique de Dieu. Dieu veut te donner un fardeau qui te donne des ailes. Ça veut dire que tu n'as qu'une envie, c'est d'être engagé dans ce projet. Tu n'as qu'une envie, c'est de rejoindre le groupe de prière pour l'église persécutée. Tu n'as qu'une envie, c'est un jour d'aller avec une équipe de portes ouvertes de la mission de Frère André pour aller au Yémen, au Maroc ou au Vietnam pour encourager l'église persécutée. Les autres, ils ne vont pas comprendre. Qu'est-ce que tu vas faire au Vietnam? C'est pour voir un circuit touristique du Mékong? Et non, c'est pour soutenir l'église persécutée parce que ça fait des années qu'ils souffrent au Vietnam. Et toi, tu dis, mais les autres te disent, mais c'est quoi ça? Tu veux partir au Vietnam, prier pour l'église persécutée? Fais-le à la maison, c'est bien à la maison, mais quand vous avez en face un Vietnamien qui a passé 20 ans en prison et vous lui dites, hey, il y a une église à Saint-Dié-des-Vosges, c'est pas facile à trouver sur la carte du monde, mais là-bas, à 15 000 km, on prie pour toi. C'est quoi ton projet? C'est quoi le fardeau léger? Si je te pose la question, c'est quoi ton fardeau léger? Point d'interrogation, deux points. La deuxième ligne, c'est toi qui l'as remplie. L'Église, toutes les églises, et on est en visite des églises, il y a des églises qui ne sont pas heureuses.
parce que les chrétiens qui font partie de cette église n'ont pas de projet. Et on est dans une société bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. La génération selfie. Selfie, ça vient peut-être de l'anglais selfish, égoïste, je ne sais pas. Moi, moi. Les chrétiens sont devenus très selfie. Prie pour moi, bénis-moi. Qu'est-ce que l'église peut faire pour moi? Pour moi, mes besoins, mes problèmes. Oui, on a besoin d'être soutenus et de prier les uns pour les autres, mais à un moment, on prend son envol quand on rentre dans les projets que Dieu a préparés pour nous. Et la meilleure façon de bénir Serge et Fabienne, la meilleure façon de bénir cette église, c'est de passer du temps avec Dieu, de dire « Seigneur, quel est le projet ?» Ou de leur demander « Est-ce qu'il y a un projet ?» Alors essayez-le. Peut-être que les personnes âgées, ça vous dit plus ou moins. Faites-le. Et si après 2 heures dans un EHPAD, à boire le café avec une mamie, ça vous dit plus rien, c'est pas grave. C'est que c'était un fardeau lourd. Mais il y a un fardeau léger quelque part qui vous attend. Et l'Église est épanouie quand elle a des projets. Des projets qui font avancer le royaume de Dieu, des projets qui font sortir des Jérémie des citernes. Amen. Et regardez le dernier verset, le 10 et le 11. Verset 10, vous êtes toujours là ? 10 et 11. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. Ebed-Melech, verset 11, prit les hommes avec lui et se rendit au palais dans un endroit situé au-dessous du trésor. Là, il se munit de chiffons et de morceaux de tissu qu'il fit parvenir à l'aide de cordes à Jérémie dans la citerne. Oh, et Ben-Mélé. Alors ça, c'est mon héros, ça. Si j'avais à pouvoir un poster de lui, je le mettrais dans ma chambre. Si je pouvais avoir un badge, et Ben-Mélé. Moi, je vote aujourd'hui pour Ben-Mélé. On n'a pas encore voté, mais je vais rentrer à la mairie de Sosheim ce soir. Je vais dire, il n'y a que 2 papiers. Il est où, Ben-Mélé? Parce que lui, c'est un héros. Hein ? Elle est gentille Marine, il est gentil Emmanuel. Mais vous savez quoi ? Ebed-Melech. Il y a un Ebed-Melech qui vous attend. Il y a des projets qui existent déjà. Pourquoi pas rejoindre un Ebed-Melech qui a déjà un projet ? Et Ebed-Melech, alors je l'imagine, il doit dire à tous ses frères et sœurs dans le palais et leur dire, vous savez quoi ? Je vais aller voir le roi. Alors, je vous demande de prier pour moi, que tout se passe bien. Il envoie un SMS, priez pour moi, virgule, je vais voir le roi, point. Ça rentre dans un SMS, ça ? Et il le dit, priez pour moi et il va voir le roi avec le cœur qui bat très, très vite. Parfois, le cœur, il bat très vite quand on rentre dans des nouveaux projets. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est d'y rentrer dans les nouveaux projets. Même si le cœur, il bat, même si on transpire. Et il est allé voir le roi. Et le roi lui dit, tu peux sortir Jérémie de la citerne. Virgule, je te donne 30 hommes, toute une équipe. Parce que pour le jeter, il suffit d'un homme. Pour le sortir, un, ça ne suffit pas. Il y a des projets tout seul, ça ne marche pas. On a besoin des autres pour nous soutenir, pour nous aider à descendre dans le puits et sortir ceux qui s'enfoncent dans la boue. Et Ben-Mélech, il a eu le feu vert du roi. Le roi lui dit, tu peux y aller. Alors je le vois sortir, il fait yes. Il parle un peu l'anglais, Ebed. Yes, yes, c'est formidable. Oui, le roi, en plus, nous donne une équipe de 30 bonhommes pour aller sortir Jérémie de la citerne. Et tout d'un coup, il se trouve, et Ben-Mélech qui arrosait peut-être les plantes, tout d'un coup, il se trouve à la tête d'une équipe de 30 hommes qui ont comme projet commun. Alors, il ne faut pas se disperser. Hein. L'Église est championne pour se disperser. Mais là, il ne faut pas se disperser, on a un projet, on sait où on va. Jérémie, il faut le sortir de là. Il y avait un film, vous vous souvenez de ce film, il faut sauver le soldat. C'est bien, bon film, hein. Il faut sauver le soldat Ryan. Ici, c'est un nouveau film, c'était avant Spielberg, ça s'appelle « Il faut sauver le prophète Jérémie ». Et ils avaient une mission, il faut sauver. D'ailleurs, dans le film, il faut sauver le soldat Ryan. Je me souviens, j'étais justement sur un des cimetières militaires en Normandie, quand l'on voit en vrai dans le film à un moment, où se trouve justement, je crois, en tout cas, un des acteurs,
un des acteurs ou un des hommes qui était là pendant la Deuxième Guerre. On le voit dans le film, dans le cimetière, là-bas, près de la mer, en Normandie. C'est fascinant, ce film. Et tout le monde avait une mission écrite par le président des États-Unis de l'époque, Deuxième Guerre mondiale. Une mission, il faut sauver le soldat Ryan. Il n'est pas dit il faut ramasser des coquelicots dans la Somme, non. Il faut sauver le soldat Ryan. Il n'est pas dit faire du tourisme à Paris, non, il faut sauver le soldat Ryan. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient mobilisés. Alors qu'il y a une Deuxième Guerre mondiale, que le monde s'effondre, eux, ils vont chercher ce soldat pour le ramener à la maison. C'est quoi ta mission ? C'est quoi ta mission ? Ici, c'est sauver le prophète Jérémie. J'aimerais terminer avec le titre du message de ce matin, parce que vous dites, mais les chiffons, là, j'ai payé pour venir au culte, je suis venu de Montélimar, j'ai fait 6 heures en route pour écouter un message sur les chiffons, remboursé, il n'y a pas de chiffons. Si, il y a des chiffons. Bon, Cuba, c'est plus loin que Montélimar, alors on se calme. Hein. Et Ebed-Melech a reçu le feu vert du roi. Jérémie, il est là-bas, dans une citerne. Et au moment où il faut aller sauver Jérémie, qui est au fond dans une citerne, qu'est-ce qu'il fait Ebed-Melech ? Il va avec ses 30 hommes dans cette direction, au palais du roi. Moi, je serai dans l'équipe, je dirais, Ebed, oh, oh, Ebed, Jérémie, il est là-bas. Eh ben non, il s'en va dans le palais du roi. Moi, je dis, mais t'attends quoi ? Ebed, Jérémie, il s'enfonce, il est peut-être là, la boule est peut-être là. Et toi, tu t'en vas dans le palais du roi, parce que dans le palais du roi, il y a la clé pour sortir Jérémie. Et heureusement que c'est Ebed-Melech qui s'occupe de cette équipe et de ce projet, parce que lui connaît très, très bien le palais, tous les étages. Et sous le trésor du roi, il y a une pièce où il y a un tas de chiffons et des morceaux déchirés, des morceaux de tissu déchirés. Quand j'ai lu ça, ou quand j'ai relu ça, parce que lisez pas trop vite la Bible. Il y a des gens qui disent, ouais, 3 chapitres par jour, lisez 4 versets, lisez-les bien. Et là, j'ai pris une loupe. J'ai dit, attends, on ne va pas lire la suite. Qu'est-ce que ces morceaux de chiffon peuvent bien faire dans le palais du roi ? Est-ce que je suis le seul sur Terre qui s'est posé cette question ? Qu'est-ce que ces morceaux de tissu peuvent bien faire sous le trésor du roi ? Je ne sais pas ce que ces chiffons pouvaient bien faire. Peut-être pour la femme de ménage, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que ces chiffons pouvaient bien faire, mais je me suis posé une autre question, et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et si au fond, le vrai trésor dans le palais du roi, c'était ces chiffons ? Et si au fond, ce qui te semble à tes yeux sans valeur était justement ce que Dieu voulait se servir pour que tu rentres dans ta mission. Si c'était justement ces vieux chiffons, tu te dis, mais c'est que des vieux chiffons. Mais je peux vous dire, pour sortir Jérémie, il fallait que des vieux chiffons. Parce que les lingots d'or dans le trésor du roi, ça ne sert à rien pour sortir Jérémie de la citerne. Ce sont les vieux chiffons qui ont fait la différence. Ce qui te semble à tes yeux sans valeur, des morceaux de tissu déchirés, c'est peut-être justement ce que Dieu veut utiliser. Et j'aimerais, ce n'est pas prévu, mais j'aimerais, je sens dans mon cœur, il y a des gens qui disent, si tu savais, Timothée, tous les chiffons déchirés dans ma vie, toutes ces expériences douloureuses de ma vie, tout ce qui n'a pas marché dans ma vie, ah, si seulement ces chiffons n'avaient pas été déchirés. Ah, si seulement mon mari ou ma femme n'avait pas quitté. Ah, si seulement mon fils n'était pas dans la drogue. Ah, si seulement. Ah, si seulement, parfois je me suis dit ça. Moi, j'ai souffert depuis l'âge de 15 ans des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Ça touche 3% de la population. C'est terrible, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est un nom, les TOC. On n'en parle jamais dans les églises. C'est pour ça, en grandissant, je pensais que j'étais le seul sur la planète qui souffrait de ça. Depuis qu'on a un groupe WhatsApp et qu'on a un Zoom tous les mois pour ceux qui souffrent des TOC et qui veulent être libérés de ce disque rayé, la lumière est allumée, la chasse d'eau est cassée.
T'as pas vérifié la poignée de la maison, t'as pas vérifié. Et vous partez en vacances, il n'y a que ça. Tout le monde prend des photos de Saint-Tropez, vous êtes là à vous demander est-ce que la lumière est... Ça vous bouffe la vie. Et ça, ce sont mes chiffons déchirés. 35 ans. 35 ans. Dieu soit béni, ça va tellement mieux. Le jour, il y a 8 ans, quand j'en ai parlé à tout le monde. Oh, oui, je peux en parler à tout le monde. Quand vous mettez à la lumière ce que vous vivez seul, vous êtes déjà un pied hors de la tombe, hors de la citerne. Dieu veut se servir de tes chiffons déchirés. Tu te dis, ça c'est un épisode de ma vie, mais j'ai honte. Quand je vois l'album à photo, je vais très vite, je fais tourner les pages très vite parce que je ne veux pas revivre dans ma tête cette histoire difficile. Dieu peut se servir même d'une histoire difficile pour toucher quelqu'un qui est au fond d'une citerne. Dieu veut se servir de ton passé, même déchiré, abîmé. Nicky Cruz a passé 60 ans de sa vie avec une histoire. Celle d'avoir été un gangster à New York dans les années 50. Celle qu'un jour, un certain David Wilkerson, pasteur, est venu lui apporter Jésus dans son ghetto à Brooklyn. Et pendant 60 ans, peut-être même plus maintenant, il est encore en vie. Et il raconte la même histoire, celle qui s'est passée en 1958. Il a un chiffon déchiré. Et combien de vies ont été restaurées? Combien de millions de personnes sont venues à la croix parce que Nicky Cruz a raconté son histoire de son chiffon déchiré? Dieu veut se servir de ton chiffon déchiré. Cette faillite dans ton entreprise, Dieu peut s'en servir. Tu as appris des leçons, tu peux aider quelqu'un et apporter l'espoir et dire, tu vois, oui, ça a été dur, mais je suis encore debout aujourd'hui. Si tu es là, dans cette église, là, ce matin, c'est une grâce d'être assis là où tu es. C'est une grâce. Et tu peux dire, oui, j'ai des chiffons déchirés, mais par la grâce de Dieu, je suis encore debout. Amen. Dieu veut se servir de toi. Il y a une citerne avec ton nom dessus. Il y a une citerne avec ton nom. On ne peut pas s'engager dans toutes les citernes. Il y a des gens qui veulent aider tout le monde, partout, et ils s'épuisent. C'est quoi ta citerne? Est-ce que tu ne pourrais pas adopter une citerne et dire, Seigneur, je veux prier déjà. Peut-être de prier pour une citerne, c'est le premier pas. Dire, Seigneur, je vais prier pour les pygmées du Centrafrique. Alors les autres autour de vous ne vont rien comprendre. Les pygmées, déjà, je ne savais pas qu'il y avait des pygmées au Centrafrique. Ce n'est pas grave. Vous, vous êtes passionnés, vous regardez tous les documentaires, il y en a peut-être 8 dans YouTube, mais vous les avez tous vus, les 8, sur les pygmées de Centrafrique. Parce que ça, c'est votre citerne. Et vous allez commencer à prier. Et vous dites, est-ce qu'il y a des missionnaires qui travaillent parmi les pygmées de Centrafrique et recevoir leurs lettres de nouvelles? Et vous allez alimenter votre prière. Quand on prie, Seigneur, bénis tous les missionnaires de la terre, c'est bien, mais on peut faire mieux. On peut acheter ce livre. Vous pouvez le prendre gratuitement si vous voulez. Il y a 80 peuples qui sont dans une citerne. Et vous avez des sujets de prière particuliers pour eux. Et vous priez, et vous priez, vous priez pour ces missionnaires, pour ces Abed-Melek là-bas qui atteignent les pygmées de Centrafrique. Et vous priez, et vous priez. Et peut-être qu'un jour vous dites, tiens, je vais écrire au missionnaire qui travaille là-bas au Centrafrique et lui dire, tiens, ça serait sympa, est-ce que je pourrais venir? J'ai 2 semaines au mois d'août, est-ce que je peux venir t'aider là-bas, dans cette tribu perdue du Centrafrique? Et tout doucement, on va dans la bonne direction. Amen. Moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à chercher une citerne et de prendre tes chiffons déchirés parce que Ebed-Melech, il a besoin de toi. Pas tes diplômes, nécessairement, pas de ton argent. En France, on dit, ouais, on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Un projet sans argent, un projet sans argent, ça n'a pas de sens. Eh bien oui, parce que les chiffons, ça ne coûtait pas grand-chose. Hein. Ah oui, mais j'ai pas... Moi, ça fait 20... Depuis 1998 que je n'ai pas de salaire. J'étais pasteur dans une église en Picardie. Mon dernier salaire, c'est quand la France a gagné la première Coupe du Monde. Je m'en souviens. Quand il y a eu 3-0 contre le Brésil, j'ai eu mon dernier salaire, moi. Et je suis parti comme ça. Mais je peux vous dire... Qu'est-ce qu'on en a fait des choses, même sans salaire? Alors, si vous en avez un, soyez bénis. Mais dites pas, je n'ai pas de salaire, donc je ne pourrai rien faire. Je n'ai pas de sous, donc je ne peux rien faire. Les chiffons déchirés, c'est plus précieux que tous les comptes en banque. Dieu peut se servir de tes morceaux de tissu déchirés pour apporter l'espoir à ceux qui s'enfoncent dans la citerne. Amen. Vous voulez dire oui à Jésus? Sers-toi de moi. Me voici, on l'a chanté tout à l'heure, il était 10h15 quand on l'a chanté.
me voici. Et si Dieu te disait, je t'ai entendu chanter, me voici. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment tu veux t'engager dans mon service? Alors que nos yeux sont fermés, que nous sommes à la présence de Dieu. Et on veut être pratique. Des fois, on est tellement dans les nuages qu'en fait, on ne change pas le monde. On a besoin d'être pratique et de dire, Seigneur, je vais m'engager quelque part à Saint-Dié, dans mon quartier. Je vais ouvrir un club de dames. Je vais ouvrir peut-être un club de foot. Et un ballon, c'est un morceau de tissu, en fait. Et un ballon dans un quartier difficile, ça peut réunir des gens. Et à la mi-temps, vous leur parlez de Jésus. Une marionnette, un morceau de chiffon, mais même ça, ça peut servir. Je vous invite à prier à votre place. Tout le monde, ceux qui sont devant, comme ceux qui sont derrière, comme ceux qui nous écoutent, comme ceux qui nous écouteront peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, si Jésus n'est pas revenu, et s'il y a encore des Jérémie dans la citerne. Je vous invite à prier. Faites-le avec vos mots. Faites-le maintenant à votre place. Seigneur, donne-moi une citerne. Si vous êtes déjà dans une citerne à chercher les Jérémie, n'abandonnez pas. Arrêtez-vous quand il n'y aura plus de Jérémie dans la citerne. Vous pouvez vous lever, vous pouvez vous mettre à genoux. Prendre quelqu'un par la main et venir sur le devant. Faites ce qui vous convient, mais démarquez-vous. Et dites, Seigneur, je me mets en mouvement à partir d'aujourd'hui. Je me mets en mouvement. Je veux te servir. Dites-le avec vos mots. Parce que ce que vous dites maintenant en Jésus, ça va changer votre vie. Prends ma vie, Seigneur. Fais de moi un Abed-Mélec. J'ai été mou, Seigneur, jusqu'à maintenant. Je me suis plaint comme la plupart des Français. Je me plains. Seigneur, j'en ai marre de me plaindre. Je vais m'engager. Avec Abed-Mélec, où je vais devenir un Abed-Mélec moi-même. Et on va sortir. Tous les Jérémie. Et on pourra célébrer quand le puits, quand la citerne sera vide. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble à voix haute pour terminer, avant de laisser la place à ce chant? Est-ce qu'on peut le dire à haute voix, si c'est votre désir de vous engager dans une citerne? Est-ce qu'on peut le dire à haute voix tous ensemble? Parce qu'il y a une force dans la confession. C'est ce que je disais à un jeune qui s'est converti il y a 2 jours chez nous, il a 15 ans. J'ai dit, tu sais, il faut le dire à haute voix, il faut que je t'entende. Oui, mais je n'ai pas l'habitude. Fais-le, parce qu'il y a une force dans la confession. Ben, tu le fais maintenant. On va le dire tous ensemble. Seigneur Jésus, je m'engage aujourd'hui à te servir pour le reste de ma vie. J'irai dans n'importe quelle citerne pour sortir les Jérémie. Sers-toi de mes dons. Sers-toi de mes talents. Sers-toi de mes chiffons. Même mes chiffons déchirés. Dans le nom de Jésus, que je passe toute ma vie dans cette citerne s'il le faut. Et donne-moi de la joie, Seigneur, même dans la citerne. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie pour Serge et Fabienne, toute l'équipe pastorale. Seigneur, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Seigneur, ils font un travail formidable ici. Merci pour tous ceux qui te servent comme eux dans cette région. Tu les bénis, tu pourvois leurs besoins. Tu leur donnes de nouveaux projets, Seigneur. Donne-leur de nouveaux projets, Seigneur. Innovant, Seigneur Jésus, le mot qui me vient à l'esprit, c'est innovation. Innovation, soyez innovants. Mais personne ne l'a fait. Et bien justement, c'est ce qu'on appelle de l'innovation. Oui, mais il faut des moyens. Innovant, Dieu pourvoira. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'il nous appelle à faire. Et si Dieu vous a mis à cœur quelque chose de nouveau, faites-le dans le nom de Jésus. Et vous dites, ouais, mais on n'est pas nombreux. Quand vous le faites, les 30 hommes viendront vous rejoindre. Ils attendent que vous fassiez le premier pas.
Et quand vous aurez fait le premier pas, Dieu va vous montrer qu'il y a toute une équipe qui était déjà là pour vous aider dans votre projet. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Amen. Alors que c'est vrai, nous avons besoin d'entrevoir les chiffons. Trop souvent, nous cherchons peut-être les lingots, comme disait Timothée. Et simplement, si nous pouvons dire, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, purifie-moi, nettoie-moi, donne-moi des nouvelles idées, de nouveaux projets pour que ton évangile puisse être proclamé. Alléluia. Chantons ensemble. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Chante-toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, oui. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. C'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia, oui. Comme une prière, ce chant maintenant. Et purifie-moi de l'intérieur. Utilise mes chiffons. Si je n'en ai qu'un, utilise-le. Jésus, tu es le potier, amen. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Laisse-toi façonner par lui. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Dernière fois. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi, dis-lui, oui, que je sois comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Méditez sur ce message, réécoutez-le sur la rediff. Je crois que c'est important que nous puissions saisir qu'il y a eh bien, des fosses ou parfois des citernes, comme tu disais, où nous avons besoin d'aller pour aider d'autres à en sortir. Amen.
Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. On vous aime, on vous bénit vraiment. Passez à la librairie, allez à la table derrière aussi si vous avez besoin d'acheter un livre de Timothée. Ceux qui veulent la prière, on se retrouve sur le stand Oasis. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.